Nous continuons notre exploration de Git et GitLab avec une commande git checkout qui s'avère très utile en pratique. Donc, précédemment, nous avons créé un dépôt que nous avons copié ou cloné sur notre disque dur. Nous avons ajouté à ce dépôt un fichier README dont nous pouvons regarder le contenu avec less. Donc le fichier contient une ligne, le README de mon projet échoué. Très bien. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter au fichier README une ligne. Et pour ça, je vais utiliser, comme tout à l'heure, la commande echo, qui ne fait que écrire en sortie ce que je lui donne en entrée. Je rajoute une ligne à README.md. Et tout à l'heure, j'avais utilisé un seul chevron, là je vais utiliser un double chevron. Un seul chevron crée ou écrase un fichier existant, et un double chevron rajoute à un fichier existant. Voilà. Donc si maintenant je regarde avec le pager le contenu de README, je vois que README a deux lignes, et pas une comme au départ. Donc ce qui se passe, c'est que souvent on fait une modification à un fichier, et a posteriori on n'est pas content avec cette modification, et on voudrait revenir en arrière. Comment le faire? Le livre ProGit, disponible gratuitement sur le site officiel de Git, il y a une version française. Et ce que nous allons voir plutôt superficiellement ce qui est détaillé dans le chapitre 2, ici. Et ce qui m'intéresse se trouve voilà, ici. Donc, je commence par appeler la commande git status qui m'indique que le fichier README a été modifié depuis la dernière validation et qui me propose en fait deux choses à faire. Soit rajouter la nouvelle version de README à la liste des fichiers qui seront validés la prochaine fois, soit revenir en arrière avec la commande git checkout double tiret suivi le nom du fichier. C'est exactement ce que je veux faire ici. Donc je tape git checkout deux tirets README. Maintenant, si je réutilise mon pager sur README, je vois que je suis revenu à la version précédente. Exactement ce que je souhaitais faire.